Quelle misère. Quelle misère. Regarde, ils ferment les usines, ils ferment les classes, ils ferment les hôpitaux. Ils me fermeront pas le bec là. Faut pas qu'ils croient qu'on va se laisser marcher sur la gueule sans l'ouvrir. Faut pas qu'ils croient ça. Pourquoi n'avons-nous pas tous les mêmes chances? Jusqu'au bout ils s'arrêtent depuis ta naissance. Pourquoi font-ils tant de différences? Je fonce vers la tête que pousse à la démence. Pourquoi tant de questions laissées sans réponse? Sortez les briquets, on ramène plein d'essence. Pourquoi, dis-moi pourquoi, pendant que j'y pense? Planter les piquets qu'on malmène l'indécence. Les zones d'éducation prioritaires ne sont pas une priorité pour les personnes des hautes sphères. Donc faut-il se taire? Non, moi je reste austère. Envers et contre ceux qui m'entraînaient plus bas que terre. Aucun choix à faire, l'usine fera ton affaire. Voilà ce qu'il disait, alors je voulais être littéraire. À présent j'aiguise le bic afin de mieux croiser le fer. Et si le texte est tranchant, c'est que j'ai pris plaisir à le faire. Donc si je perds mes vers, je perds ces vers. Et si j'évite les jeux d'argent, c'est que je perds ces vers. La tête sur la lune, je garderai les pieds sur terre. Avec ou sans thune, je ne perds pas mes repères. Mais pour mon père, ces vers, il a bossé toute sa vie pour des payes de misère. À l'approche de la retraite, il met les voiles, c'est en galère. Sur un océan de doute, c'est vraiment dur d'être solitaire. Mais encore plus d'être solidaire. Pourquoi n'avons-nous pas tous les mêmes chances? Jusqu'au bout, ils s'arrêtent depuis ta naissance. Pourquoi font-ils tant de différences? Te font faire la tête, te pousse à la démence. Pourquoi tant de questions laissées sans réponse? Sortez les briquets, on ramène plein d'essence. Pourquoi, dis-moi pourquoi, pendant que j'y pense? Planter les piquets qu'on malmène la décence. Sortez les briquets, on ramène plein d'essence. Planter les piquets qu'on malmène la décence. Je me lève pour la dernière fois, c'est le dernier matin. 30 ans que j'y bosse, pourquoi? Pour qu'on me jette comme une catin. On me donne un petit billet et on me sort tout un baratin. Comme si ça y est, le compte y est, qu'est-ce que je vais dire à mes gamins? Apparemment on coûte trop cher, cette année 5 milliards de bénéfices. On a toujours bien fait notre taf, on y travaille de père en fils. Mais ils ferment notre usine et puis se cassent en Asie. Voilà comme on nous cuisine et faudrait qu'on s'extasie. Toutes ces années je me maltraite pour cotiser ma retraite, pour payer toutes mes traites, toutes les dettes au-dessus de ma tête. J'ai toujours été honnête, correct comme tous mes collègues. Et malgré notre collecte, l'hypothèse reste l'hypothèque. Mon avenir professionnel à 50 ans c'est le chômage. Eux ne pensent qu'à se la faire belle en oubliant les dommages. Ils te disent la bonne nouvelle, c'est qu'ils te dédommagent. Ce soir ces gros industriels pètent avec moi pour un hommage. Pourquoi n'avons-nous pas tous les mêmes chances? Jusqu'au bout ils s'arrêtent depuis ta naissance. Pourquoi font-ils tant de différences? Te font faire la tête, te pousse à la démence. Pourquoi tant de questions laissées sans réponse? Sortez les briquets, on ramène plein d'essence. Pourquoi, dis-moi pourquoi, pendant que j'y pense? Planter les piquets qu'on malmène la décence. Planter les piquets qu'on malmène la décence. La Teresa, le Marquisard, ok. L'hôpital va mal et on veut nous faire croire que nous c'est le top. Malheureusement y'a plus d'oseille et on se contente d'un Mazeltov. Jour après jour c'est glacial et ennuyeux. Nos grands patrons sentent pas la merde, ils travaillent pas. Mais qui dit mieux, écoute, tu veux jouer, tu vas au casino. Certains perdent leur vie dans nos locaux, c'est pas du cinéma, y'a plus aucun G pro. Même les seringues sont plus moisies. Avant on était un exemple, maintenant tu rentres, c'est l'euthanasie, appelle les syndicats. J'suis pas payé pour me plaindre, mais quand je taffe, si ça le fait parce que tu sais pas, j'entends les collègues. J'aime, ça fait toujours très mal de bosser dans ces conditions. Quand l'hôpital fermera ses portes, on leur dira bonne décision, ça sent la mise en scène. Pour faire fermer nos blocs, on fermera pas nos gueules, mission existentielle comme le front corse. Y'a des bruits de couloir qu'annonce la fermeture, une ouverture de Medipôle et des pourris dans la nature. Pourquoi n'avons-nous pas tous les mêmes chances? Jusqu'au bout ils s'arrêtent depuis ta naissance. Pourquoi font-ils tant de différences? Te font perdre la tête, te pousse à la démence. Pourquoi tant de questions laissées sans réponse? Sortez les briquets, on ramène plein d'essence. Pourquoi, dis-moi pourquoi, pendant que j'y pense? Planter les piquets qu'on malmène la décence. Pourquoi n'avons-nous pas tous les mêmes chances? Sans réponse. Pourquoi, dis-moi pourquoi, pendant que j'y pense.